c'est ici. Arrêtez-vous. Merci, je suis très en retard pour déjeuner. Mère Grafton, j'ai quelques questions pour vous. Est-ce vrai que vous avez détourné des millions? Oh, vous savez, je ne suis pas très bon en maths. Et que vous avez vendu le bâtiment de la mairie à un autre pays? En fait, c'est juste une location. Et que vous êtes à la fois corrompu, malhonnête et peu digne de confiance. Oh, vous savez, si on commence à s'attacher aux petits détails... Pouvez-vous me citer une seule bonne chose que vous ayez faite en tant que mère? Oh, il y en a tellement. C'est dur de n'en choisir qu'une. Et voilà, mon petit chat adoré, une douzaine de pizzas, toutes garanties sans anchois. Oh, parfait. Allez, allez, en route. Ou en croûte, ou quelque chose comme ça. On revient pour le dîner. Oh, on aura peut-être besoin d'un camion. Tu veux dire que tu peux pas tirer un camion? Ah, j'adore être gentil avec les petits chats mignons. Ah, Mère Grafton, votre honneur, vous devriez faire une loi qui interdit d'être méchant envers les petits chats. Hein? Oh oui, oui, oui. C'est ma nouvelle loi, une loi qui interdit aux gens d'être méchants envers les petits chats. Les petits chats? Oh, monsieur le maire, vous êtes merveilleux. Oh, oui, je suis sûr qu'il y a de l'argent à se faire. Voilà ton sandwich, Garfield. Tu te souviens de notre accord? Moi, je te fais un sandwich, et toi, tu sors les poubelles. Encore un sandwich préparé par John. Le seul homme qui met de la confiture sur sa salade. Si je vous ai tous conviés aujourd'hui, c'est pour vous faire part de ma nouvelle loi. Oh, en fait, il s'agit d'une loi qui oblige les gens à être très très gentils avec les petits chats. Petits chats. Et tous ceux qui ne seront pas gentils avec les petits chats devront payer une amende. Hein? Oh. J'adore cette loi. Aussi, pour trouver un moyen de distribuer ces amendes, j'ai fait appel au plus grand scientifique fou de la ville. Le professeur Franz. Oui, j'ai développé une machine capable de distribuer automatiquement des amendes. Le robot Travention. Ces appareils sont capables de détecter quand quelqu'un n'est pas gentil avec un chat. Distribuer une amende, et ça selon la gravité de l'infraction. On va gagner une fortune. La mairie est très heureuse de savoir que tous ses concitoyens seront très très gentils avec les petits chats. N'oublie pas, Garfield, tu m'as promis que tu sortirais la poubelle. Je n'ai plus à faire ce genre de tâche. Garfield, reviens ici et sors la poubelle tout de suite. Ordonner à un chat à travailler ingrat. Amende de 25. Non. Hein? Je sens que ça va être une bonne journée. Oh, j'ai faim! Oh, j'ai très faim! Oh, le chat! Tu as faim? Oh oui! Je me dise, ma vie défile devant mes yeux. C'est une rediffusion des épisodes précédents. Adieu! Regarde. Oh, le pauvre petit chat. Je vais aller te chercher un peu de miam. Je vais t'acheter de la pâtée en conserve ou des croquettes. Oh, et pourquoi pas des nems, hein, avec quelques rouleaux de printemps? Traiteur chinois. Jamais je te commanderai de la nourriture chez le traiteur chinois. Refus de nourrir chat affamé. Amende de 50. Je reviens dans 10 minutes. Allô, la pagode dorée? Oui, j'aurais besoin d'une livraison express. Des nouilles au soja, hein, je veux des nouilles au soja.
J'aurais dû demander du riz cantonais, avec supplément de riz cantonais. Dessert. Voler une glace à bébé chat, amende de 50. Non, mais j'ai pas... Enfin, je... Et je vous mets 50 de plus pour cette horrible robe. Oh, mais c'est mon restaurant menu à volonté préféré. Non, non, non. Ce chat n'a pas le droit de mettre les pieds ici. J'ai déjà fait faillite 3 fois à cause de lui. Sortir de force un chat d'un restaurant menu à volonté. Amende de 100. Oh. Et toc. C'est parfait. Personne n'ose me contredire. Hors de ma vue, le chat. Je vous plaît d'amende. Laisse-toi de moi, s'il te plaît. Oh, ils ont tous peur de se prendre une amende à cause de moi. Je peux pas leur en vouloir. C'est trop génial, non? Tout le monde est gentil avec nous. Enfin, avec toi. Parce qu'avec moi, ils sont toujours gentils. Parce que je suis si mignon. Voilà la seule personne que je voulais pas voir. Mère mal. Et s'ils sont méchants avec toi, c'est parce que t'es pas très mignon. Non, Garfield, non, 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 pas cette fois. Garfield, laisse-moi deviner. Le pôle Nord? Eh, c'est une bonne réponse. Alors, pour te récompenser, j'ai le plaisir de t'offrir un séjour tout frais payé, un aller simple pour le pôle Nord. Voilà. Prenez la route la plus longue possible, s'il vous plaît. Envoyez un petit chat au pôle Nord, amende de 500. Amende de 500? Disons 600, car il est vraiment très mignon. Tu vois, c'est le robot qui le dit. Non, non, personne ne veut m'en procès. Pas même le livreur de pizza. Et en plus, je dois être gentil avec Nermal pour faire supprimer cette loi stupide. La mairie, c'est là que se trouve le bureau du maire. Désolé, personne rentre dans la mairie sans badge. Allez! Non, il est méchant avec un chat. L'agent de sécurité est méchant avec un chat. Oui. Non, oh, d'accord, d'accord, vas-y, hop. Merci. Oh, oh non. Oh, c'est vraiment l'idée du siècle, Sam. Les robots de travention distribuent des centaines d'amendes. Et je ne serais pas étonné que tout l'argent atterrisse directement dans ma poche. Si tu vois ce que je veux dire. J'ai actuellement dans ma main un plan très détaillé qui explique comment je vais le détourner. Je suis sûr que les gens aimeraient bien lire ça. Hey, rends-moi ça. Je te rappelle plus tard, Sam. Comment oses-tu voler mon plan qui me sert à voler de l'argent? C'est pas beau de voler, c'est pas beau de voler, c'est pas beau. Quand vous commencez à lire, il y a toujours quelqu'un pour vous déranger. Eh bien,
lui, il vole pas les choses à moitié. Tu m'as causé beaucoup trop de problèmes, le chat. Alors maintenant, je vais m'occuper de ton cas. Maltraiter un chat dodu, amende de 100. Attraper un chat sans sa permission, amende de 200. Menacer un chat, amende de 300. Crier sur un félin, amende de 500. Je ne paierai aucune de ces amendes stupides. Vous savez, c'est à moi que revient l'argent, de toute façon. C'est mon plan pour escroquer mes concitoyens et oui, enfin... Je plaisante, bien sûr. Fallait me croire quand je vous disais que c'était pas beau de voler, hein? Faut me croire. Document trouvé dans ses propres mains, le maire Grafton a donc finalement pu être arrêté et inculpé pour escroquerie et détournement de fonds. Je vous l'avais dit. Bien joué, Garfield. Je me demande ce qu'ils ont bien pu faire de tous ces robots traventions. Je me suis débrouillé pour les reprogrammer afin qu'ils puissent faire quelque chose pour tes sandwichs. Trop de moutarde sur le côté gauche, amende de 50. Tranche de poulet trop fine, amende de 200. Sandwich beaucoup trop petit, amende de 300. Détourner de l'argent de la mairie. C'est vrai que c'est pas bien. Mais faire des mauvais sandwichs, ça, c'est un véritable crime.